Le variant Omicron progresse encore en Europe. En France, près de 465 000 cas ont été enregistrés mardi, soit le bilan le plus élevé depuis le début de la pandémie. Cela porte la moyenne sur les 7 derniers jours à plus de 300 000 cas quotidiens. Même constat en Russie où le nombre de nouvelles infections ne fait qu'augmenter. En réponse, les autorités ont raccourci la période d'isolement de 14 à 7 jours. En Roumanie, le nombre de cas a doublé au cours des dernières 24 heures. C'est le deuxième pays le moins vacciné de l'Union européenne. Seulement 40% de la population a un parcours vaccinal complet. Ces inégalités de taux de vaccination préoccupent l'Organisation mondiale de la santé. Elles empêchent d'éviter le pire de la pandémie, selon le responsable des urgences sanitaires de l'OMS. Le virus ne sera pas terminé cette année. Il ne sera peut-être jamais terminé. Ces virus pandémiques finissent par faire partie de l'écosystème. Ce à quoi nous pouvons mettre fin, c'est l'urgence sanitaire. De nombreux pays européens souhaitent mettre en place le pass vaccinal. Le Danemark lui a introduit une nouvelle mesure permettant aux entreprises de licencier des employés s'ils refusent de justifier qu'ils sont vaccinés ou testés négatifs au Covid-19.